Nyamshunangin, Suyin and Sangmala, Ning Tapane, Samdi Tang, Jesuiram, Jumbalexo, Shukoyus. Du fond du cœur, je souhaite la bienvenue et me réjouis que vous soyez tous avec nous ce soir pour effectuer cette pratique, donc que ce soit à Drukpa Plouray ou que ce soit via le live streaming. So, from the depths of my heart, I thank you all and I rejoice that you were all there this evening with us at Drukpa Plouray or via the live streaming. Et donc ce soir, eh bien, nous allons étudier et petit à petit, cela va permettre de développer notre expérience. So this evening we are going to study and slowly by slowly we will develop our experience. Teneda sanje chumden degi chumbo sung sung doa tene chuji pumbo se de maso maso ra chuki pumbo jiti shidong se la guida sanje ki chumbo sore chuji pumbo jiti shidong tene chila guida. Le Bouddha a donné quantité d'enseignements et nous parlons de 84 000 sortes, formes d'enseignements. So the Buddha gave many teachings and we talk about 84,000 kind of teachings. Tene, dit-je, dis-so. Nyamung rangju gi nyamung ba de sha sha nang ti mo nga jal me ba se nyim bu ri do san ji gi chu de ga jin su ma le se de nyamung ba me ba se ya ta bla su ma re de ne nyamung ba han je ne me ba so go re se de nyamung ba de sa wa ne me ba man do na kho ro le tha ne sang ji tu gu yu sa ma re ba de ne san ji gi chu du su sang ma nyamung ba me ba so ya dang. Et donc, pourquoi le Bouddha a donné des enseignements? Eh bien, les enseignements sont l'antidote aux émotions perturbatrices, le désir-attachement, la haine-aversion, la jalousie, l'orgueil et l'ignorance. C'est à travers la purification de ces émotions perturbatrices qu'il nous sera possible de nous extraire du cycle des existences. Et c'est donc à travers la purification totale des émotions perturbatrices et la réalisation de la vacuité que l'on atteindra à l'état ultime. C'est pourquoi le Bouddha a donné ces enseignements à travers la purification des émotions perturbatrices, on atteint la réalisation du sens de la vacuité. So, what is the aim of the teachings? It is the antidote to our negative emotions, so desire, anger, pride, jealousy, and ignorance. And if it allows us to purify these negative emotions, once we have totally purified the negative emotion, the understanding of the emptiness will arise. So this is why the Buddha gave the teachings. Tenenda sherab tongba ni seyate kandichire sena kasing changchu lamdina ne songsa kimbogi. Ta sherab tongba ni seyate nga singindi kansa ki tak nga ki supu seyate kansa ki tak di tene rangshin madrupa ki ten tona kansa ki tak dendos tene chilo gi chhu tham je na rangshin madrupa ki ten tona chhu gi dendos
gangsa ge da dang che ge da ni tene rang sim ma ju ba ge den di tong na tene sera tong ma ni ge den re do wa den ma de de re. Maintenant, c'est quoi exactement cette sagesse vacuité? Eh bien, c'est ce que nous avons retrouvé dans la lampe de la voix vers l'éveil d'Atisha, où il est expliqué que c'est la réalisation de la vacuité des deux soi. Donc, d'une part, la vacuité du soi de l'individu, donc ce que l'on appelle actuellement moi-je, eh bien, de réaliser que ceci n'a pas d'essence, n'a pas d'existence inhérente, et de réaliser aussi que les phénomènes, tous les phénomènes extérieurs, sont eux aussi dépourvus d'existence propre. Une fois que nous avons réalisé la vacuité des deux soi, eh bien, nous avons réalisé cette sagesse, connaissance. So, what is this wisdom, this emptiness? So, as we've seen before in the text, the lamp to the path to enlighten of the path to enlightenment by Atisha. It is said that it is when we realize the emptiness of the two self, the self of the individual, that what we call I, me today, that it is emptiness. It doesn't have any inherent existence, but also the phenomena. All phenomena are emptiness and don't have any essence. Once we have realized this, then we have realized this wisdom. Tenenda chö tamje rangsin madupa sedi chi chewa meba ledo neba meba gakpa meba se jeganne sumdanda ore do ti ngonjogi di hago gomindo ngonjogi chö tamje yowa jeba neba tene tsangma ngonjogi di jeba di tulba ledo tene Sanji Sunda, Chetamji, Jagani Sunda Dalwa, then Rangsin Madupa, Milam Tabu, Juma Tabu, Sading Anzugi, then Duntoku, the Dirito, Domanicom, the Dirito. Et lorsque l'on dit que les phénomènes n'ont pas d'essence, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ces phénomènes n'ont pas de naissance, n'ont pas de demeure et n'ont pas de cessation. Actuellement, nous sommes dans l'illusion, nous croyons en l'existence ferme de tous ces phénomènes que nous voyons. Mais en fait, nous devons réaliser que ces phénomènes ne sont autres que vacuité. C'est de ça dont il est question, c'est ça que le Bouddha a enseigné, que tous les phénomènes sont semblables à un rêve ou à une illusion magique. So when we talk about, when we say that phenomena don't have any essence, what does that mean? That means that they don't have birth, they don't have abiding, they don't have cessation. Today we believe that all phenomena are truly there, and so we are mistaken. And the Buddha said that we must understand that all these phenomena are such as a dream, or such as a magical illusion. The Tsikdi, Milam Tabu, Juma Tabu, said Tsikdi Yakurindo, Tomani Tendi. Chetamji, Milam Juvan Tabu, Tago Gores, understand Gores, Sidi. Then a Mevatik Mariva. Yuvayam Mara, Mevaya, Pena, Milam Nala, Chik Tongudu, Milam La Sora Yungure, Sora Deva, Nungal Tamji Yungure. Tene milam ne milam reva pe shuk chambuchi yamarva tene tene ni se dim kaya yamarva ina sem nal baksa yamarva on dinam sire do che tamje mevat marva pe milam tabu juma tabu de pe de apore do. Et donc il est vraiment important de comprendre et de voir les phénomènes comme un rêve, comme une illusion magique. Ce n'est pas que ce n'est pas existant du tout,
C'est ni non-existant, ni existant. Si on prend l'exemple du rêve, eh bien, on va s'endormir, on va rêver. Durant ce rêve, nous allons expérimenter des sensations, que ce soit des sensations de souffrance, des sensations de joie. Mais en tout cas, lorsque l'on va se réveiller, eh bien, ce ne sera plus là, tout aura disparu, mais il y aura encore quand même ces empreintes qui sont présentes. Et donc, as a dream or as a magical illusion, and it's not that nothing exists. It's not that they don't exist or they exist. But if we take the example of the dream, so when we fall asleep, then we dream and we experience feelings during the dream. So it can be suffering, it can be happiness. But when we awake, then there is nothing. Nothing is there because it was just a dream. But there are still some imprints which are there. And for the phenomena, it's the same. We must consider them as a dream. Tendela, chigla, chigla, tene, chigla, mangbo, chigla, tene, chungjuje, mato, rangsingi natural, yomare, tirendo. En fait, comme tous les phénomènes sont issus de causes et de conditions, de l'interdépendance, eh bien, en fait, ils n'ont pas de nature propre. So, as all phenomena are the result of causes and conditions, and this is dependent origination, they don't have inherent existence. Tene diring kimbur mbache ki perna melong nang ki sugnyen tabos, melong chiyo na melong nang la sugnyen tundra yi sugnyen tsangma chargiraba. Sebu. Donc, il y a ce miroir dans lequel se reflète le corps, se reflète tout ce qui se trouve en face. Mais en fait, tout cela, ce n'est que le résultat de causes et de conditions. Il faut qu'il y ait ce miroir, qu'il y ait le corps en face, qu'il y ait d'autres objets qui viennent à se refléter dans le miroir. Mais si on regarde dans le miroir et qu'on veut... on réalise que les choses ne sont pas réelles, elles n'existent pas, on ne peut pas les saisir dans le miroir. Today Kempo Rinpoche took the example of the mirror, and so everything, we can see everything in the mirror, so we can see our body, we can see the different objects which are there. But it is the result of causes and conditions. So there is the mirror, there is oneself, there are the objects. But if we want to grasp what is in the mirror, it's not possible. So it's just an illusion. Tenyang diring pejik perna kangba sungoda kangba ngantu kangba jina diyang nangla rangsin matubare stongba nyere kangba di. Natural Neomare, Kangbas, Group Chilamintara, this Sipari
kangba yamara de disjik disongo da pe dinasi manzo supu takse tak ngagi my body said body pungbo nga kha pungbo nga kham nga kan che che chungni den mang bo yorwa te sibare je na nga sing yamara se dende dende rangsin manzo pa stombani dende su samla tango re songo da. Il y a aussi l'exemple de la maison, de notre maison. Donc, il y a notre maison, mais en fait, cette maison, elle est dépourvue d'essence, elle n'a pas d'existence propre. En fait, à la base, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, et puis, il y a un architecte qui a commencé à dessiner des plans, on a commencé à construire une maison, les fondations, puis les murs, le toit, et puis on l'a peinte, et puis à la fin, voilà, c'est devenu une maison, ce qu'on a appelé une maison. Mais en fait, si on cherche bien, la maison, elle est où ? C'est l'étiquette qu'on a apposée sur le résultat des causes et des conditions qui ont donné donc cette maison. Mais en fait, si on commence à la démembrer, elle se trouve où exactement ? Et c'est la même chose avec notre corps, avec le soi de l'individu. Donc on dit « moi »,« je », on appose cette étiquette sur la formation des agrégats, des différents éléments. Mais en fait, le « moi », il est où ? C'est pareil, si on commence à tout décomposer, en fait, le moi, on ne le trouve pas, il n'est pas là, il n'est pas présent, il n'existe pas, il n'a pas d'essence. So there is also the example with our house. So there is our house, but in fact, it doesn't have any essence, any inherent existence. So at the beginning, there were just nothing, and then somebody draw the house, then we start building it. We start to build it, and then there was the painting works and all the thing. And at the end, we called it a house. But if we truly look at the house, where is it exactly? It doesn't exist. If we start to unbuild it, to take it apart. Then where is it exactly? It's not there. So it's exactly the same with our body. So what we call I or me, it is this aggregates, the different elements all together, and we call it me. But if we analyze, where is the me, the I, it's not there. Sama tenjing tenjela tenjong, cik la tenjong barang mato, rangsin ki niomar es kalau tenja, cik la tenjong juji ina thamce tenje mitak per rangsin, tenje tongbanyere sangjik ta dira, message mama dira. En fait, donc tout est dû à des causes et des conditions, à cette interdépendance qui a amené un fruit. Ce qui veut dire que tous ces phénomènes n'ont pas d'existence propre et donc sont vacuité. In fact, so everything is a result of causes and conditions, dependent origination, and that means that it doesn't have any inherent existence, so it is emptiness. Tenenda. Mantuki misi di milam tabo rendwa samlo tango to nyamlen jeti ta pena ngantu misi di lo tukju tunju jeju kaje na di na milam reta milam rembu chik nare ba den si do di samma yo maro milam lo reta mantu ngone chen milam tabo den ngantu supu di jume ki lu si juma reta. Et même notre vie, en fait, notre vie est semblable à un rêve. Et il nous faut pratiquer dans ce sens.
Il y a 40, 50, 60 ans qui sont passés, mais ces années sont semblables à un rêve. Au moment où on va mourir, il n'y aura plus rien, tout sera semblable à un rêve. Et on parle de corps illusoire. Le corps que l'on a, en fait, c'est un corps illusoire. C'est comme ça qu'il est appelé dans les textes. So, even our life is such as a dream. And so, in our practice, we must consider it like this. And maybe if we look behind us, then we will see that the past is such as a dream, and once we will die, then all the life there won't be anything. It will be just like a dream. And so in the text we talk about the illusory body. Our body is an illusory body. Tene ta chö nyamlen tsangma milam juma ta bhuje ni jegu war ba ngun su sa da na pe na singi tse wa ki bodhi chi ta na la milam juma ta bo manjoro nam ga da ngun nyam pe se se do ti milam juma ta bo ta ya di tongma nye re do milam juma ta bo pe milam juma ki pe di tene samla ta na jar gu do milam juma ta na milam juma ta bo se ya di. Et on retrouve cela dans les pratiques, dans nos pratiques, dans les textes. Donc, par exemple, dans la pratique de Chösenge Tsewa, il est dit que tout est semblable à un rêve, que tout est illusion. Donc, cela fait référence à la vacuité. On retrouve ça vraiment dans nos pratiques, et c'est ce qu'il nous faut réaliser. So we also find it in the practices, such as in Chösenge Tsewa, where it is said that everything is such as a dream, it is an illusion. So it is a reference to emptiness, and so this is what we must realize and practice. Tene, ta. Shirab tongpa nyi siya dang chakja chimbu siya chikwarwa, ming dhinima. Ta chakja chimbu siya di kasang shubha nashi, chak siya di nyisu mebi ishi siya, nyinzingi namto mena di ishi rinwa, chak siya di nyisu mebi ishi. Jaa siya di koru chulun rol siya di Chö tam chi nāngā rāng shī mā rūpa ki tuyantā, sūng zhīng ki tuyantā dhā guān kōrua chē lūn rū, kōrua lī thār, chā nī sū mē pē yī shī, chā kōrua ki chö tam chi rāng shī mā rūpa tuyantā tōg dī kōrua lī thār ki tuwa, dī rī nduwa. Chīmbū sē dī tab dāng shērab dī yāng, tab nīng jī shīmbū, shērab tōng bā nī nyambū, nyam lēn chē dī, jē dī lā shīmbū sē dī. Mingchi, tobu rinduwa. Di tab nyingji chimbu shiro tongpa nyingnyam lindi chimbu rinduwa. Chakja chimbu sti rinduwa. Et donc cette sagesse, en fait, c'est exactement la même chose que le Mahamudra. Donc comme on l'a vu précédemment, donc le Mahamudra en tibétain se dit Chagya Chempo. Donc Chak, c'est pour cette sagesse qui est de la vue non dualiste. Gya, c'est la libération du cycle des existences à travers la réalisation que tous les phénomènes sont vacuité. Et Chempo, eh bien, c'est la pratique de la méthode et de la sagesse en union. Cette union, c'est ce qui s'appelle Chempo, ce qui s'appelle grand, grande. So when we talk about wisdom, it is the same as Mahamudra. And as we've seen previously, so Mahamudra in Tibetan is Chagya Chempo. Chak is for the wisdom where there are no dualistic view anymore. Gya
Jagya is when we liberate oneself from the cyclic existence through the understanding of the emptiness of all phenomena. And Champo is for the practice of the method and the wisdom in union. This union is called Champo, which means great. Tenen te tabu tongba ni chaja chimbu nyamlen je urwa da nyamlen je di kandis je urwa sa na khasa shi ba na shi tangbu tene shine gombo do shine gi shine top go do realize je go do shine tene shine se de kandis gombo re sa na nga na zo tene lukso na la tangbu tene diu am singbu chi la tene tene chala chila tane rangi sim digi rangi mik digi chala thong samjik chala de ten samjik dima to kaya samlo ma tane dila sim zi chik sim ni mai ba jen chala de rang thong wa di ngang la de training di rin do madak pi ten di hu shing bu se gar one che na Tibet la na only di dine lo sum dine gom go gido wa Ansudo Nimani Shusanga Gomson Tun Dane Chalajik Shanidila Tene Yang Jabra Semji the Yang Dane Jini Tun Naina Nimani Shusanga Dila Shinegi Nyamlin Dangbo Tennis Lobjong Jihoda The Madakoreta object normal object is there Pula Trupuna Lusuma Et donc, comment nous pratiquons sur le sens de la vacuité, sur le Mahamudra ? Eh bien, comme on a pu le voir aussi précédemment, on commence tout d'abord par la méditation du calme mental. Donc, il y a différentes manières de procéder. La première étant la méditation sur... on va dire, un objet impur ou ordinaire. Et donc, on va pratiquer la méditation en un point. Donc, on a cet objet face à nous, on médite sur cet objet et on ne tient compte de rien d'autre de ce qui peut être autour. On est dans la non-distraction. Il y a longtemps, au Tibet, eh bien, cette pratique était effectuée durant 3 années. En retraite, j'ai effectué cette pratique durant 25 jours. So, how do we practice emptiness or the Mahamudra? As we've seen previously, so at first we must practice the meditation of the calm abiding meditation. And so here we take an object, an ordinary object, and we focus on this object and we don't take into account anything else. And so in the past, in Tibet, this practice was done during 3 years. But when I was in retreat, we did it for 25 days. The object condition and the year, the Hassan Lapson, the camera, my camera, the Hadu door, then the tongue, some camera, the tongue, some machine guy, I imagine. The Lapson did. Object condition and the year, any object change and the year. Mila digar mi tombal tambu then ka inel lumière tout n'importe quoi comme doit tamba mota gande chen mota tang tang sam digar et donc comme je l'avais dit précédemment, en fait on peut prendre n'importe quel objet comme support à cette méditation. Donc par exemple cette caméra. Donc voilà, je me focalise en un point sur cette caméra et je ne tiens compte de rien d'autre autour. Mais ça peut être une lumière, ça peut être une personne, peu importe, on peut même changer d'objet de méditation. C'est pas important, on peut prendre n'importe quel objet pour support ici.
So as I've said before, so it's not important which object we take for this meditation. So for example, it can be the camera. So I focus on the camera and I don't take into account all things around it, or it can be a light, it can be a person, or whatever. So we can take whatever object we want. Tene di loju dhavu di kandas chungpa re se na pecha nang yor. Pe na naga ju na ki tene baju tangi pugu chigla gom lava re se. Tene pugu di gom yako jam matup di tene naga ju na ki charang lega ka re se di gom baju tangi re baju chimbu yor va jagar la. Di gang la shene dogo re va. Tene gom lava re shene lam ne. Baju ke raju yorwa, raju ni, raju. Dila, dila tane ten semde mayin baje. Tene buku di, tene baju la tane ko shine rale si chungpa re se. Lukso lo de re to, object la komja. Et dans la tradition, on peut nommer aussi comme exemple le Nagarjuna, donc qui un jour croise un homme qui dit qu'il n'arrive pas à pratiquer la méditation. Donc Nagarjuna lui demande ce qu'il fait dans la vie, et il lui dit qu'il est gardien de vaches. Donc Nagarjuna lui dit lorsque vous êtes avec vos vaches, enfin avec les vaches, ou lorsqu'il même parce qu'il monte à dos de vache, pratiquer la méditation, donc le calme mental sur les cornes de la vache. Et à travers cette pratique, donc ce gardien de vache a atteint à la réalisation de cette pratique. So in tradition, we can talk about Nagarjuna who met cattle keeper, who met a cattle keeper, and the cattle keeper said that he Raju Rinpo Yungandir. Jaransu Dila Mindwa, Jagala, Raju Rinpo Dirado. C'est pas des vaches comme ici, ce sont des vaches en Inde et qui ont des cornes qui sont vraiment très grandes. So, j'ai oublié le mot, cattle. Cow herd. And so the cow herd said that he can't meditate. And so Nagarjuna asked him which job he was doing. And so he said that he is a cow herd. And so Nagarjuna told him to meditate on the horn of the cows, and through this practice, the cowherder realized this practice. So we are not talking about cows such as in France. It is the cows we can find in India who have big horns. Dangbo di madak pa riba, di pure ma riba object di da, pure object di sanje ge ku sung tu se gara. Di tene sanje ge ku na bo, tene painting ina ku ina ya bo, samla ta ne di la sha ne, tene di la sanje ngu su min sa, tene di la, di sanje ku di la ta ne yang sem tse jik tu ne ya. Tene jela ku mewa che, di nangshin semge, pa nangkhala, tene
tanda dinang sing sam tela sem te tene yang kudia chimbo nam khala tu tu war chimbo char ma chung tene tir dende chila tende sem shen la tan ma yer ti ji bo tende chene ti kula shine kom chu kula shine kom chu zhen do ti khand sing ba re se na sanje chum den de gi tene da ani da bo khain na shap chi da win se ro ama yang mena ama gi pinja no no de la gom lap do shine lap de tene gom tsa ni yong bu min do tene sanje gi tu wa charang obje gar la abitu se na ga jana na si ke je te de ka ma charangi visage je pense marraine sir only buddha charangi visage charangi body the only seminal myeongbu deos right then okay then na ya go ta then the nang sing gom gom juk do then ko generalization chung mare es then je ne the gom je be the cha tradition cha es marraine du bana marraine sir. Donc ça, c'était pour ce qui est de la méditation sur les objets dits impurs. Ensuite, eh bien, il y a la pratique de la méditation du calme mental sur des objets purs, donc sont les corps, paroles et esprits éveillés du Bouddha. Donc tout d'abord, concernant le corps éveillé, eh bien, ici, on peut prendre tout d'abord une représentation, un dessin, une peinture. Et on pratique donc la méditation en un point sur cette représentation. Et ensuite, eh bien, l'étape suivante, c'est de ne plus avoir ce support visuel et de visualiser le corps éveillé du Bouddha dans l'espace en face de soi. Et ici, eh bien, il y a aussi différentes méthodes que l'on peut appliquer. Donc, de visualiser donc un corps de taille normale, puis un corps qui devient très grand, qui embrasse l'espace, et puis un corps qui devient tout petit. Voilà, c'est pour avoir différentes pratiques de cela. Et d'où vient cette pratique sur le corps éveillé ? Eh bien, c'était du temps du Bouddha où sa marraine lui n'arrivait pas à pratiquer la méditation. Donc le Bouddha lui a demandé à quel objet elle était habituée pour pouvoir pratiquer cette méditation. Et elle lui a dit, eh bien, votre visage ou votre corps. Et c'est d'ici qu'est arrivée donc cette pratique de calme mental sur une visualisation du corps du Bouddha, du corps éveillé du Bouddha. Et à travers cette pratique, eh bien, elle a elle aussi donc pu réaliser cette pratique du calme mental. So that's it regarding the calm abiding meditation on the ordinary or impure object. And then the second practice is the calm abiding meditation on the pure objects, which are the enlightened body, speech, and mind. And so at first regarding the enlightened body, so here we can take a representation of the Buddha. And we focus on it and we meditate on this representation. The next step is to visualize the enlightened body in front of us, and this visualization takes different size. It can get bigger and embrace the space, or it can become very small. And so from where this practice is coming from, so it was during the Buddha's life, where a woman, godmother,
didn't know how to practice the meditation, and so the Buddha asked her to which object she was familiarized, and she said that she was familiarized with his face and his body, and so she practiced calm abiding meditation on the Buddha's body, and through this practice she realized the calm abiding meditation. So this is where this practice is coming from. Et nous, eh bien, cette pratique, cette deuxième forme de pratique du calme mental, s'effectue durant 7 jours. So as for us, this second practice of the calm abiding meditation, we are doing it for 7 days. Tene sungdi yigi hungdi rama sungdi chungchung diga tsamse only piti diga. Ma tombe ni la douille. Dijela, no object. De object. Benem, dijela, no object. Dene, kangsher sume, said. Karshana, dila, subchumeva, said. Et ensuite, donc concernant la méditation sur la parole éveillée, eh bien ici, on visualise la syllabe hung. En face de nous, donc qui est toute petite, elle fait la taille d'un ongle, et elle irradie des 5 couleurs. Et ensuite, la troisième forme de méditation, donc celle sur l'esprit éveillé, ici c'est une goutte essentielle, un tiglé qui est vraiment très très petit et qu'on visualise en face de soi. Et l'étape suivante, c'est la méditation sans objet. Et ici, il est dit que quoi qu'il advienne, il ne faut pas conceptualiser, il ne faut rien fabriquer. So now regarding the meditation on the enlightened speech, we visualize a hung syllable in front of us of the size of a fingernail, and there are the five colors radiate from the syllable, and then the next step is to meditate on the enlightened mind, and here we visualize tigli and an essential droplet in front of us, and then the next step is the visualization without any object, and here it is said that whatever arise we must not conceptualize or fabricate anything. In a Yamlin, the Kangshir Sumi, Kasim Lapsong, Kangshir Sumi, Spema Carbogi, Sineti, Tireta, Kangshir Nayang, Kandesi feeling to Rakari Nayang, Tila Perfection Majin, Tingala Shad, Tire, Distapor Kudiran. Down Yamlin Tapor Tire Manzo, Abre Porduno, Obje Buddha, no, da. Résumé, j'ai dit, Kangshir Sumi, no object. Kangshir Naya, dit la purification meva. Dit Kangshir Naya, ok. Kangshir Naya, maïng, vas-y, dire.
Et en fait, si on veut résumer donc, tout ce que nous venons de voir concernant les pratiques de la méditation du calme mental, eh bien, en fait, c'est donc cette pratique de Pema Carpo. Oui. Pema Carpo. Qui dit que, eh bien, quoi qu'il advienne, il ne faut rien fabriquer. Donc, c'est cette méditation pour laquelle on n'a pas d'objet en tant que support et où on est dans la non-conceptualisation. So, if we want to summarize all these practices we've just seen about the calm abiding meditation, so we must practice the one without object, and as it is said by so by Pema Carpo, so this practice where whatever arises, we must not fabricate anything. Pena manso le la kesichedi sonam gile sino sonam maimba gile nyumju gile sedi. Nyumju gile di shine meditation nyumju gile nyumju gile di gi sonam gile gi midang la thog yore sonam main ba gile gi ngi sun sun la ki gi yore ta gom jam ne shine gom na nyumju gile gi sukham da sume kham la ki gi yore dirang re da ta shine di thob na shine realization na tene samten yongore tinginjin power yongore nuishi tokyore jutul yongore nene da jikting gi ngoshire jikting gi jutuje sangje gi mare ba tene tokyore ina yang korale thagi mare jangjup thogi mare tere dere shine jikbugi halena sum yage sukham sumekham only dire sumekham ke atipur nyamjuki legi di chuluk changmal yore sumara hindu christian muslim changmal yore ina yang sine di manjoge realize je go re ba tongban ye dang ma mura bas dire ba sipon dushin dire ba sine mena tongban ye kom tu gumindo cha cha se mo kom tu gumindo dire. Et donc, si on ramène cette pratique au karma, donc il y a trois formes de karma, le karma dit positif, le karma négatif et le karma neutre. Cette pratique du calme mental se situe au niveau de l'accumulation de karma qui est dit neutre. La réalisation du calme mental, c'est ce qui va associé au Bouddha. Donc le karma positif va nous permettre de prendre renaissance dans les mondes des humains et le monde des dieux. Le karma négatif nous pousse à des renaissances dans les mondes inférieurs. Et le karma neutre, donc, qui est entre autres généré par cette pratique du calme mental, c'est ce qui nous permet de prendre renaissance dans les plus hauts lieux céleste, donc le monde de la forme et notamment le monde du sans-forme. Mais en aucun cas, cela ne va nous permettre de nous extraire du cycle des existences. Et ça ne va pas nous permettre ni de nous libérer, ni d'atteindre à la réalisation. Mais ça n'en demeure pas moins anodin ou non important, parce que c'est cette pratique du calme mental qui va être la base de tout, donc qui va être la base du développement, donc comme on l'a vu, de la concentration méditative, de l'absorption méditative, des diverses réalisations jusqu'à la réalisation de l'état de Bouddha. So here we can talk about the different kind of karma. So there is the positive karma, the negative karma, and the neutral karma. So the practice of the calm abiding meditation will generate neutral karma. And here we will also
through the realization of this practice, we will then realize the meditative concentration, the meditative absorption. We will develop clairvoyance and miraculous powers. But all this will remain in a mundane level. It is not the clairvoyance or the different power that the Buddha can get. And with the positive karma, we will take rebirth in the human and the god realms. If we accumulate negative karma, then we will take rebirth in the lower realms. And through the meditation, the calm abiding meditation, and through the neutral karma, we will take rebirth in the form realms and the formless realms. But we won't get out of the cyclic existence. We won't reach Buddhahood, but it is anyway. It remains very important as a practice, as this is the base, and it is based on this realization of the calm abiding meditation that we will realize then the different steps until enlightenment. Shine lakthong, inji minji lakthong, nyamlin jie gore, se te vipassana lakthong de. Tene lakthong la vipassana de, lakthong de, nyentu ki luk lakthong, ore bakhasang e lakchu de. Nyentu ki luk lakthong de, tene dhemba nye or shakwa shi is. Khasang lakthong, lu dhemba nye or shakwa, tsurwa dhemba nye or shakwa, sim dhemba nye or shakwa, Et cette pratique de la méditation du calme mental va devoir être aussi pratiquée, va devoir être suivie par la pratique de la méditation de la vision pénétrante, donc l'aktong. C'est comme nous avons pu le voir hier, cette pratique, on la retrouve notamment chez les auditeurs, où il y a la pratique à travers la pratique des quatre attentions proches. Donc l'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention proche aux phénomènes et... et à l'esprit, l'attention proche à l'esprit. So this practice, this calm abiding meditation, then will after this practice will follow the deep insight meditation. And so as we've seen yesterday, this is a practice we can find in the listeners' tradition with the four close mindfulness. So there is the close mindfulness, the body close mindfulness, the feeling, the mind, and the fourth one is phenomena. Da lakthong se te nganzo ki temba nyora shakwa se te nganzo ki namjun, nganzo ki supu di pe tsachimbo, yakbo yi, yimba ki ngarje yungorwa supu di. Dene da di maridwa, supu di dene mitukpe rangshin, dene ko mitakpe rangshin, dene Imagine me bandoya, gedoya, shidoya. Then a supodi mitsang berangsins, tsangma maimba. Then one took mitsangwala, tsangma, that was in the pay important to lawyer woman. Then a joke did make out some machito, this true body answer.
Concernant la première attention proche, donc qui est celle au corps, eh bien, habituellement, nous, on considère ce corps comme quelque chose de... On prête beaucoup attention, on accorde beaucoup d'importance à notre corps. Mais en fait, il nous faut réaliser que ce corps est impur. Voilà, il est sujet à la naissance, il va être sujet à la maladie, à la mort. Il n'y a rien de pur à l'extérieur et à l'intérieur de ce corps. Il y a des impuretés donc qui émanent des yeux, du nez, des oreilles, etc. Et donc, à travers cette pratique, il nous faut arriver à cette compréhension que le corps n'a pas cette pureté, cette importance qu'on peut lui accorder. C'est comme, on peut dire, ce serait comme des toilettes ou comme une poubelle. Donc, voilà, cette première approche nous permet de comprendre, d'accorder moins d'importance au corps. So regarding the first mindfulness, the first, so it is the one of the body. And usually we consider our body as something very important. And but in fact, it is something which is impure. And so we were born one day, then we get old, and then we will die. And there are impurities coming from our eyes, nose, ears, and so on. So through the analyze, we must understand that this body is something impure, and we must not be attached to it. Tene da tsorwa demanyo shaba se de tsorwa la dewa dunga tangnyum sumyarwa kang dar tsorwa se de Koran dapa pena, Koran dungai cerang sini dapa. Ina yang anjau Korala kibu cergiur, anjau kibu cergiur sangmagi. Di turbar esai, Koran dungai cerang sini re, sene, dene ceruan di, ceruan dungal gimba de hagor, understand je aku diri tu. Dene dewala atas mayu hecik je. Dene da sem, zamannya orang siapa, sini da di anjau da kejisi semua. Sim tak sehati, ia mara mebajila, pungbudila, tak in sen culbar endawa. Tiene ti sim korang rancin mebajia meba, neba meba, kapa meba. Sehati kansa ki tak di understand juga endawa. Tiene sumba cuyerwa, cuy samje nang rancin mandawa. Di cuy dun normal cuy. Niyom tongbanye re, chu tamje nangla rangshin madruba re, se di manzo ki chu tamje zimbayo re, nizinghi namtokke ne chu. Da di chu tamanyo shakwa shiki, chu di nangla rangshin madruba, kangsa ki tak, chu ki tak, anrasun chi ki tawa. Di tsa chimburi tawa tamanyo shakwa shiki, kangdo tongbanye. Di nyamne di yakbo yongna, tene laktung topge re se. Lakton topna, tene samsara finish, sadambo topido. Maintenant, concernant la deuxième attention proche, donc celle aux sensations. Donc il y a trois formes de sensations. Il y a les sensations de joie, les sensations de souffrance et les sensations, il y a l'équanimité.
Et en fait, ici, il nous faut réaliser que le cycle des existences, que tout, en fait, tout est souffrance, tout est de la nature, de la souffrance. Et c'est à travers cette analyse que l'on va se détacher de cette félicité ou de cette joie temporaire à laquelle nous croyons dans cette vie-ci. Mais en fait, nous sommes dans l'illusion. Et donc, cette deuxième méditation va nous permettre de nous défaire de cet attachement à ces bonheurs temporaires du cycle des existences. La troisième attention proche est celle à l'esprit. Donc ici, eh bien, c'est ce qui concerne le soi de l'individu, donc de réaliser que ce qu'on appelle moi, je, eh bien, ça n'a pas d'essence, ça n'a pas d'existence propre, que ça n'a pas de naissance, ni de demeure, ni de cessation. Et la quatrième attention proche, eh bien, donc c'est celle au phénomène. Donc ici, c'est de réaliser que tous les phénomènes, bien qu'apparents, n'ont pas d'essence et sont vacuité. Si nous pratiquons bien ces quatre attentions proches, eh bien, nous allons pouvoir réaliser donc, cette vision pénétrante. Et à travers cette réalisation, on s'extrait du cycle des existences et par la même occasion, on atteint la première terre des bodhisattvas. So now regarding the second one, which is related to the feelings, though there are three kinds of feelings, so happiness, the suffering, and equanimity. And so here we must, through this second point, we must realize that the cyclic existence is nothing else than suffering. Today we are attached to the temporary joy we can experience in our life. But through the analyze of this, the essence of the cyclic existence, then we won't have any attachment to this. The third point is the one related to the mind. So here it's to understand, to realize that the self of the individual doesn't have any essence, any inner existence, that it doesn't have any birth, any abiding or cessation. And then the fourth one is related to the phenomena. And we must here understand that all phenomena, even if they appear, they don't have any essence, any inherent existence. If we practice correctly these four mindfulness, then we can realize deep insight meditation, and through this we will get out of the cyclic existence, who will liberate oneself from the cyclic existence, and at the same time, we will reach the first level of bodhisattvas. Donc ces quatre attentions proches sont vraiment très importantes. Donc cette pratique de la vision pénétrante est vraiment quelque chose d'important. Mais c'est grâce à la méditation du calme mental que l'on sera amené à pratiquer correctement et à pouvoir réaliser cette vue pénétrante. So this four close mind. Fullness are very important, and so this deep insight meditation is very important, and this is based on the calm abiding meditation that we will be able. It will be possible for us to practice and to realize this deep insight meditation. Mm-hmm.
mara nyamyong dabo lo jong jen de so la bare tene non chu yong re tene charang so lo jong jel pen do re ba. Donc ce que j'échange avec vous, c'est mon expérience, c'est un peu ce qui me vient par la tête que je partage avec vous. Donc peut-être qu'il y a des erreurs qui peuvent s'être glissées, mais en tout cas c'est ce qui ça permet de d'étudier. Donc c'est pas n'importe quoi ce que je vous dis. En fait, c'est issu de tous les échanges que je peux avoir quotidiennement avec Kempo Rinpoche. Donc des échanges et de l'étude qui est faite à travers cela. So what I'm doing is I'm sharing my experience with you all by talking about what I have in mind, but it allows you to also to study. And what I'm saying is not nonsense, because it is the fruit of my different talks with Kempo Rinpoche, my daily talks with Kempo Rinpoche and my study. Okay, merci. Demain est jeudi. Hein? Jeudi demain. Demain là. Ok, à demain, merci, pardon. Lung Nyampo Shine Jena di Madakpa Yuldu. Dener Tangbo Madakpa Tene Takpa Tene Sumba de Lung La Tene Lung La Tene de Pemakarbo de Nayor Lung La Tene de Takpa Madakwa Kesakamber Lung La Lung Nyampo Nyor Pemakarbo de Nalung Yor Donc la pratique de la méditation du calme mental sur les souffles, ça, c'est une catégorie à part entière. Donc en fait, il y a la méditation sur les objets impurs, ensuite sur les objets purs et ensuite sur les souffles. Concernant Pema Karpo, il ne parle pas du tout des objets impurs ni des objets purs, mais de cette pratique sur les souffles. Donc où on expire, quand on expire c'est la lettre Om, quand on inspire c'est Om Hung qu'on inspire, et quand ça arrive en bas et que ça se pose c'est A. Avec chaque yashri c'est Om A Hung, avec Pema Karpo c'est Om Hung A. Tene yang ti maimba lung normal jene tanga jebere da o tenung nur normal pa dang tsuyong pa puse tanga jebe se ni ti se maimba le pengyar be ti lung mangbu je yo mare se chu yin shu sum chu de de jen di pendo war se. Donc ça c'est pour ce qui est donc des méditations où on va un peu pousser, enfin expirer, inspirer. Mais après, il y a aussi la deuxième forme de méditation sur le souffle, où là, en fait, on est juste posé et puis on compte les expires, inspire, et on en compte jusque 20 ou 30.
mola lelawarre lung nyamdu yang mena mik odi solution kare lela na di jeworo. En fait, il faut pratiquer ce qui est le plus facile pour nous. Dene dayang sine chipo pagantos de hagora dene vipassana dora lakton. Mais il faut comprendre aussi que la pratique du calme mental toute seule, ce n'est pas suffisant. Il va falloir procéder à la pratique de la vue pénétrante aussi. Cette méditation donc, qui va permettre la réalisation de la vacuité, donc de réaliser que les deux sois, le soi de l'individu, le soi des phénomènes, sont dépourvus d'essence. C'est vraiment ça le plus important. Le sens, donc, c'est vraiment de comprendre que bien qu'apparent, les phénomènes sont dépourvus d'essence. Que l'esprit est dépourvu d'essence, que ce qu'on appelle moi, je, eh bien, c'est pareil, ça n'a pas d'existence propre. Si on comprend à travers cette pratique et la compréhension que on va se détacher de cela. On va comprendre que c'est pas si important, notre corps n'est pas important, les phénomènes, c'est pas important, que tout est vraiment comme un rêve ou une illusion magique. C'est comme la pâte à modeler, voilà, on fait, ça prend, on donne la forme qu'on veut en fait, mais ça n'a merci, pas de sens. Merci, merci. Bonne merci nuit, merci. Good night.